ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا، أتمنى لكم الصحة والعافية. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات اللي هو درس المتتاليات المستوى الثانية بكالوريا علمي. إذا هذا الدرس فهو طبيعة الحال فهو درس مهم جدا لما يتضمنه من عدة قواعد يجب ضبطها استعدادا للفرض الثاني. إذا على بركة الله. إذا هادو هما النقاط الأساسية التي نتحدث عنها. Premièrement, définir une suite. Ce que veut dire une suite majorée, minorée, bornée, la monotonie d'une suite, la suite arithmétique, la suite géométrique, la somme d'une suite, qu'elle soit arithmétique ou bien géométrique. On va parler enfin de la limite d'une suite et on va finir par un petit exercice. Donc, la première des choses, c'est définir une suite. Ce que ça veut dire une suite? Une suite numérique, c'est une application de l'ensemble L vers l'ensemble R, qui à toute L fait correspondre UN. UN, c'est bien sûr en fonction de N. Donc il appartient à quel ensemble? Il appartient à R. Donc, ça ne veut dire pas tout simplement qu'on peut définir à partir de l'ensemble N vers R ou bien à partir d'un sous-ensemble de N, par exemple N étoile. L'important, c'est que la suite, c'est une application de l'ensemble N vers R. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsque je dis UN égale à 2N plus 3. Donc, ça, c'est une suite. Donc, pour déterminer les termes de la suite, donc U0, je donne à N la valeur 0. Donc, ça donne 3. Si je cherche U1, il faut donner à N la valeur 1. Ça veut dire 2 plus 3, ça fait 5. U2, on donne à N égale à 2. Donc, c'est 4 plus 3, ça fait 7. Ça, on les appelle les termes. Bien, les trois premiers termes de la suite. Les trois premiers termes de la suite. Donc, voilà, on a bien défini ce que veut dire une suite. Et donc, mutatalia, il y a ibara, un tatbiq, min al majmoua n, nahou al majmoua r, wa li kulli ansouri min r, fa hiya tatina wahad soura dialo, li hiya tantami biddat li majmoua r. Et donc, une suite majorée et une suite minoré. طبيعة الحال هذا الدرس هذا نحاول دائما جري vous donner les choses essentielles que vous devez savoir. Je ne vais pas entrer en détail dans les petits détails de la leçon parce que cela vous pouvez le trouver dans d'autres sites. Donc suite majorée. On dit qu'une suite est majorée. Donc une suite est majorée lorsqu'on peut dire qu'il existe un certain R appartenant à N, tel que UN est inférieur ou égal à N. Alors qu'une suite est dite minorée, ça veut dire qu'il existe un petit M appartenant à N, tel que UN est supérieur ou égal à N. Et donc, متتالية مكبورة بالعدد M يعني أنه UN أكثر من أو تساوي M. نقول بأن متتالية فهي مصغورة بالعدد M يعني أن UN أكبر أو تساوي N. إذا خصنا الآن نديرو نعطيو أمثلة. Par exemple, نعطيك هاد لا سويت UN إيكال 1 سور N. Bien sûr, N appartient à N étoile. Donc si je cherche les premiers termes U1, c'est quoi? C'est 1. U2, c'est 1 demi. U3, c'est 1 tiers, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que quel que soit L appartenant à N étoile, toujours on voit que la suite UN, elle est inférieure ou égale à 1. Donc, elle est majorée par 1. On dit que la suite, donc, elle est majorée par 1. Et d'autre part, que UN est toujours supérieur à 0. Donc la suite, elle est majorée par 1 et elle est minorée par 0. On dit alors que la suite est bornée. Donc on dit que la suite est bornée, ça veut dire qu'elle est à la fois majorée et minorée. إذا متتالية قد تكون متتالية مكبورة بالعدد n وقد تكون مصغورة بعدد آخر n. في حالة إذا كانت مكبورة ومصغورة في n واحد نقول بأن المتتالية فهي متتالية محصورة أو بوغني يعني محدودة أي أنها بوغني. هذا هو ديفينسيون ديال ماجوري اي بوغني.
اذا الان غادي نحاولوا ندوزوا واحد حاجه مهمه هي لا مونوتوني دين سويت. صافي ديال لا مونوتوني دين سويت هي الرتابه ديال متتاليه، يعني واش هذه المتتاليه اما ان تكون تزايديه او تناقصيه، لا نتحدث عن مستوى راتبه او ثابته. اذا كرواسونت et on va parler d'une suite décroissante. Donc, dire qu'une suite est croissante, c'est-à-dire que un plus un est supérieur à un. Donc, on dit qu'il est strictement croissante, ou bien comme ça. Un plus un, lorsqu'il est inférieur ou égal à un, on dit que la suite est décroissante. Alors là, pour vous donner des exemples, on va, par exemple, dire que de prendre l'exemple de tout à l'heure, exemple un égale à 1 sur n. Donc si je cherche un plus 1, ce sera 1 sur n plus 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer un plus 1 moins un, qui n'est autre que 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Vous pouvez effectuer le calcul, mettre au même dénominateur pour aboutir enfin que pour savoir s'il est décroissant ou bien c'est inférieur à 0 ou bien supérieur à 0. Mais là, pour faciliter la tâche, vous savez que quel que soit n appartenant à n étoile, on a toujours n plus 1 est supérieur à n. Autrement dit, 1 sur n plus 1 sera inférieur à 1 sur n. Donc si 1 sur 1 plus 1 est inférieur à 1 sur 1, alors la différence des deux sera négative. Et alors dans ce cas-là, je peux dire que un plus 1 est inférieur à un. Dans ce cas-là, la suite est décroissante. Donc, une chose, il y a un exemple, vous voyez que la différence entre un plus 1 et un, vous voyez que la différence est négative, ce qui veut dire que un plus 1 est plus grand que un, c'est-à-dire que la différence est négative. Donc, بالنسبة لهذا المثال هذا دائما تركز عليه هو أنه لقينا بأن هذه المتتالية فهي تناقصية، إذا تناقصية وفي نفس الوقت فهي مصغورة بالعدد صفر. إذا في هذه الحالة تقول بأن UN فهي متتالية متقاربة. Yani, vous avez une suite UN qui est à la fois décroissante, donc décroissante, et minorée par 0. Alors, dans ce cas-là, je dis que la suite est convergente. D'une façon générale, si vous avez une suite UN qui est strictement croissante et majorée, ou bien décroissante et minorée, alors vous dites que la suite UN est convergente. Et donc, bien sûr, إذا كانت عندك واحد متتالية تزايدية قطعا ومكبورة بعدد n أو تناقصية قطعا ومصغورة بعدد بتيتا n، في هذه الحالة نقول بأن المتتالية فهي متقاربة. إذا هذا هو فيما يخص في بالنسبة لا مونوتوني دون سويت. غادي نعطيكم إكزومبل آخر اللي هو حتى هو مهم. ناخذ مثلا UN 2 plus 1 sur racine de n. Donc, un plus 1 sera égal à 2n plus 1 sur racine de n plus 1. Donc, si vous essayez de calculer un plus 1 moins un comme étant 2n plus 1 sur racine de n plus 1 moins 2 sur racine de n, pour démontrer que la suite, savoir si la suite est croissante ou décroissante, ça bien sûr ça va vous accompagner à des calculs. Peut-être que vous n'allez pas arriver à la solution ou bien au résultat que vous souhaitez. Mais si je fais ce rapport-là, un plus 1 sur un, donc si je trouve que un plus 1 est supérieur à 1, qu'est-ce que je dis dans ce cas? Un plus 1 est supérieur à un.
Si je trouve que U1 plus 1 est inférieur à 1, alors je dis que U1 plus 1 est inférieur à U1. Ça, ça me permet de dire que la suite est décroissante et ça me permet de dire que la suite est décroissante. Et dernière fille, par exemple, je vais enlever le rapport. Et donc, U1 plus 1 sur U1 n'est autre que 2N plus 1 sur racine de N plus 1, que je divise par U1. Donc, ça va me donner la résultat suivant. Donc, 2n plus 1, il y a 2 plus 1 fois 2. Donc, il reste 2 racine de n sur racine de n plus 1. Et dès que je peux le mettre sous la forme suivante, on va mettre 2, on va mettre n sur n plus 1. Le هدف ديالي من هذا الشيء هو خاصنا نعرف واش هذا اكبر من واحد او اصغر من واحد. اذا كيف اقوم بذلك؟ خاصني ناخذ بان ان، ما تنساش بان ان تنتمي الى ان اطوال بطبيعه الحال. اذا ان فهي اكبر او تساوي واحد، يعني ان كاتر ان اكبر من كاتر. دونك اذا بغينا نقارن بين كاتر ان و n plus 1 غندير لا سوستراكسيون، دونك موان n موان زان صادور 3n موان زان. اور هنا 3n فهي غتكون اكبر من 3، بمعنى ان 3n موان زان غتكون اكبر من 2 و 2 اكبر من 0، يعني ان 4n اكبر من n plus 1. وبالتالي الا كانت 4n اكبر من n plus 1، يعني لو غاسين لا غاسين كاري دو 4n، 4n اكبر من n plus 1، يعني ان 4n اكبر من غاسين دو n plus 1. كون هاد دو تير دو تير سون بوزيتيف، الو غاسين دو 4n سور n plus 1 اي سوبيريور ا 1. اي باغ لا سويت n plus 1 اون ا مونتري كيل اي سوبيريور ا 0، اي باغ لا سويت n plus 1 اي سوبيريور ا 1، يعني ان المتتاليه فهي تزايديه قطعا. إذن هاد الأمور هذه إن شاء الله بغا تجي الحصة ديال التمارين، غادي نحاول نختمو بعض المتتاليات اللي هي تتصف فيها نوع من الأسئلة. إذن المثال غنمشيو لأنه مهم جدا، هو إن سويت أريتميتيك. إن سويت أريتميتيك فوالا، غادي ناخد مثلا التغيير الأول هو أن أو أن هو دو، أو دو ناخد هي طروا، إكسيترا. أو أن إيكال أن. إذن أشنا هو الخطوة اللي تنقوم بها من هنا لهنا؟ إذا الخطوة هي تنزيد ماذا؟ تنزيد واحد، دائما تنزيد واحد. إذا ماذا يمكن أن أقول؟ بأن U1 ماذا تساوي؟ هي U0 بلس 1. إذا خديت لو تيرم U2، U2 سي كوا؟ هي 3، هي U2 هي U1 بلس 1. دونك U3 هي U2 بلس 1. سي جو فودغي فيغ هاد U2 أون فونكسيون دو R، يعني هي U1 لأن U2 هي U1 plus 1، ça veut dire هي U1 plus 2. Donc si je voudrais la mettre en fonction de U0. Donc c'est U0. U1 c'est quoi? U1 c'est U0 plus 1. Donc c'est U0 plus 1 plus 1. Donc ça donne plus 3. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Que U1, si je commence par U0, je dois mettre N, voilà N, N. Donc je dois mettre N fois R. Donc, d'une façon générale, une suite arithmétique, c'est toute suite qui peut se mettre sous cette forme-là. R, c'est la raison de la suite. Et dans le mot de taille, il y a un abayina, bien U1 égale U0 plus R. Ou bien, il y a un autre chose, il y a un autre chose, il y a U1 plus R, il y a U1 plus R. يعني باش نبين بان عندنا سويت او متتاليه حسابيه، يكفي ان ابين بان U1 بلس R ني اوتر كو U1 بلس R. اذا غادي نحاولوا بعد ان شاء الله غنديروا دي زيكزومبل، ما بغيتش نحاول نطرق دابا الامثله لانه باش يبقى وقت غير طويل بالنسبه للفيديو. اذا هنا عرفنا ان سويت اريتميتيك، دونك هنا جدي U1 هي U0 plus nr. Maintenant, il faut faire très attention parce que je commence par 0. Si je commence par U1, je dis n moins 1 r. Si je commence par U2, je dois mettre n moins 2 r.
etc. Si je commence par UP, je dois mettre N moins P fois R. Donc ça, c'est l'écriture générale d'une suite arithmétique. C'est l'écriture générale d'une suite arithmétique. Maintenant, je vais parler de la somme d'une suite arithmétique. La somme d'une suite arithmétique, c'est-à-dire Sn, je parle de U0 plus U1 plus jusqu'à Un. Donc, Sn, c'est quoi? C'est la somme du Ui avec I à part de 0 tel n. La somme d'une suite arithmétique, c'est-à-dire le premier terme plus le dernier terme sur 2 fois le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1. Donc, c'est 1 plus 1. Et c'est facile à nous. La somme Sn, elle est disponible U0, tel Un. Je dis, c'est-à-dire U0 plus Un sur 2, ou c'est-à-dire N moins 0 plus 1. Donc, ça, c'est la méthode pour déterminer la somme d'une suite. Exemple, si on vous demande de déterminer la somme de la suite suivante, par exemple, vous mettez U1 tel U17. Donc, vous allez mettre le premier terme sur U1, le dernier terme sur U17, vous le divisez par 2 et vous cherchez quel est le nombre de termes. Donc, vous mettez 17 moins 1 plus 1. Donc, c'est 17 termes. Ça, c'est le plus important. Et je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer une suite géométrique. Une suite géométrique, V, on dit qu'une suite est géométrique. Si je pourrais l'écrire, si je peux l'écrire de la manière suivante, il y a V, N, fois Q. Avec Q, c'est la raison. Donc, en général, lorsque je écris, lorsque je trouve Q, je peux dire que Vn, c'est V0, Q ou N. Si je pars d'une V1, je dois mettre Qn moins 1. Donc, si je pars Vp, je dois mettre Qn moins P. Donc voilà, d'une façon générale, l'écriture d'une suite géométrique. Donc pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de trouver V1 plus 1 sur Vn. Et vous allez trouver qu'il s'agit pour trouver Q. Donc pour montrer qu'une suite est géométrique, vous devez passer par calculer le rapport Vn plus 1 sur Vn. Et vous trouvez bien sûr la raison pour dire que la suite est bien géométrique. Maintenant, si je voudrais calculer la somme de la suite, donc Sn, V0 plus V1 plus jusqu'à Vn, qu'est-ce que je fais? Je fais le premier terme, 1 moins Q, N moins 0 plus 1, donc c'est le nombre de termes sur 1 moins Q. Donc d'une façon générale, S, si je mets VP, je dois mettre 1 moins Q, N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Ça, c'est la suite d'une, c'est la somme d'une suite géométrique. إذن غادي نحاول إن شاء الله في حصة مقبلة إن شاء الله غادي ندير واحد مجموعة من التمارين باش نخليكم تفهموا هاد الأمور بطريقة جيدة. الآن غادي نمشي نخدموها بواحد التمرين اللي هو بطبيعة الحال بالنسبة أون فو دون UN UN plus 1 égale 2 sur 3 moins UN. Et on vous donne U0 égale à 3 demi. La première des questions, on vous demande de montrer que UN est compris entre 1 et 2. Alors là, vous prenez N appartenant à N. Si je prends n égale à 0, alors là, U0, c'est quoi? C'est 3,5. Et 3,5, bien sûr, il remplit la condition entre 1 et 2. Donc,
c'est sa démonstration par récurrence. Donc on va supposer que cette relation elle est vraie et on va démontrer qu'elle est vraie pour 1 plus 1. C'est-à-dire qu'on va montrer que U1 plus 1 est compris entre 1 et 2. Or, U1 plus 1, c'est quoi? C'est 2 sur 3 moins U1. Étant donné que U1 est compris entre 1 et 2, ça veut dire que moins U1 est compris entre moins 2 et moins 1. Autrement dit, 3 moins U1, j'ajoute 3 ici et 3 ici. Donc, ça veut dire que 1 sur 3 moins U1 est compris entre 1,5 et 1. Donc, si je multiplie par 2, je dois multiplier ici par 2 et je dois multiplier par 2. Donc, ça veut dire qu'il est toujours compris entre 1 et 2. Donc, le bien, c'est bien le résultat. Donc, la première des questions, c'est la méthode récurrence. On a bien montré que U1, quel que soit n, il est toujours compris entre 1 et 2. La deuxième question, montrer que U1 plus 1 moins U1 égale U1 moins 1 fois U1 moins 2 sur 3 moins U1. 3 moins U1. Donc, on va partir U1 plus 1 moins U1. U1 plus 1, c'est 2 sur 3 moins U1 moins U1. C'est-à-dire, c'est 2 moins 3 moins U1, je mets au même dénominateur, sur 3 moins U1. Donc, c'est 2 moins 3 U1 plus U1 au carré sur 3 moins U1, qui n'est autre que U1 moins 1 sur U1 moins 2 sur 3 moins U1. Vous pouvez effectuer le calcul, ou bien vous pouvez le montrer directement, ou bien vous allez considérer que celle-ci comme une équation du second degré, vous travaillez avec delta, vous déterminez les racines, et vous trouvez que n'est autre que le résultat obtenu. Donc on a bien montré cela, pourquoi on vous demande de montrer cela? Pour déterminer, ou bien parler de la monotonie de cette suite. Donc étudier la monotonie. Troisième question, on va étudier la monotonie de cette suite. Est-ce qu'il est croissant ou bien décroissant? Donc, d'après ce qu'on a, de résultats qu'on a obtenu, U1, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que U1 est compris entre 1 et 2. C'est-à-dire que U1 moins 1 est positif et que U1 moins 2 est négatif. Donc, U1 moins 1 est positif, U1 moins 2 est négatif. Alors, reste 3 moins U1. On a déjà parlé de U1 compris entre 1 et 2, donc moins 2 et 1, c'est-à-dire 3 moins U1, vous ajoutez 3, je pense, 3, donc c'est 4. 3 moins U1, si je ne me trompe pas, donc 3, c'est bien ça. Donc, 3 moins U1, on a U1 compris entre 1 et 2, donc moins 2 moins 1, voilà. Donc ça veut dire, si j'ajoute 1, ça me donne 2. Donc 3 moins U1 est compris entre 1, ça veut dire qu'il est positif. Donc, positif, négatif, donc ça me donne U1 plus 1 est négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que U1 plus 1 est inférieur à U1. Alors là, on dit que U1 est une suite, comment il est, décroissante. Donc, هذا هو تتمة ديال هذا الدرس هذا. طبعا الحال بينت لكم بأنه ما كيفاش خاصك تبين لا مونوتوني، يعني واش كيفاش متساوية، واش هي تزايدية أم تناقصية. إذا الطريقة هي خاصك تقلب على U1 بلس 1 هو U1 وتشوف واش هي سالبة أو موجبة. إذا كانت سالبة يعني أنها تناقصية قطعا، إذا كانت موجبة فهي تزايدية قطعا. إن شاء الله في الحصة القادمة سنقوم ببعض التمارين المهمة التي تصب في هذه النوعية من التمارين. إلى الأمل اللقاء بكم في حصة قادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.